Bonjour tout le monde, ici Orphée à 2012. Je commence à filmer tout de suite alors qu'il fait encore nuit. Mais je creuse et il fait jour. Il fait jour, je dis n'importe quoi. Je creuse et il fait jour alors qu'il fait encore nuit, tu sais. Oh mais non, mais je viens de trouver du fer. Et je voulais filmer le moment et l'endroit où je trouvais du fer. J'ai horreur des gens qui font une coupure. Et qui ah oh, j'ai trouvé du fer, tu sais, comme par magie. Ça me... Je suis désolée pour ceux qui le font. J'ai horreur de ça. Donc voilà. Ah ben hé, bon quand même. Bonjour tout le monde, ici Orphée 2012, ça va? T'as vu, je suis dans un trou. Ah ouais, ça va très bien, sinon. Alors, ah, j'ai de la terre. Ouais, j'aurais pu me faire une pelle, mais j'ai pas fait. De toute façon, je vais pas creuser des kilomètres encore parce que on voit rien du tout, j'ai pas de charbon. Et là, ça commence à être un petit peu difficile. Pour le minage optimisé, il faudrait que j'appelle Gimli qui vienne m'aider un petit peu. Je demande à Balrog qu'il me loue Gimli un petit peu. Quelle heure est-il? Eh, on dirait qu'il fait jour, non? Ou c'est mon île qui est rudement... Qui est très... Oh, tu parles qu'il fait jour, mon patch. Hop là. Donc je repars à refaire ça. Là, si Marc Phoenix me voyait en train de mettre du bois dans le feu pour faire du charbon, il me dirait, mais t'es pas folle, non? Non? Il me faut des torches. Donc pour l'instant, j'ai commencé à filmer parce que je voulais que vous voyiez quand je récupérais les torches. Les torches. Oh putain! Oh! J'ai récupéré le fer. Excusez-moi. Mais je dis vraiment n'importe quoi. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Musique 15. J'ai l'impression que c'est hyper fort, mais bon, c'est pas fort en fait. Donc comme j'ai récupéré un petit peu de charbon, on va continuer à creuser. Oui, là, c'est une pelle qu'il faut, je sais. Lumière. De toute façon, ma pioche est déjà presque morte, alors de toute façon, on va pas aller loin. Je vais essayer de ne pas tomber comme j'avais fait cette fois-là. Va m'exploser la tronche comme une grosse crotte. Excusez-moi pour cette coupure de concentration. Oh, la crotte, il me refaut du charbon, mais alors oh bah tant pis, on s'arrête là maintenant dans le creusage. Allez, on monte encore un petit peu son cul. Là il semble qu'il fasse encore bien nuit. Hop hop, 1 2 3. Oh, j'ai peut-être je sais pas. Peut-être recreuser un petit peu ici, tant qu'il fait nuit. Alors, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette aventure qui est un petit peu étrange. Rien ne se passe comme j'avais envie, puisque nous devions arriver sur un continent assez grand. J'entends du bruit. Je vais remonter là 2 secondes et on va faire une petite pause. Serre-moi, pardon. Ça va complètement casser le truc, mais Violette faisait la sieste, elle vient de se réveiller. J'ai demandé à son papa de venir la chercher.
Hop là. Donc ça n'empêche que cette aventure ne se passe absolument pas comme il était prévu. Et là, j'aimerais bien avoir un petit peu de fer encore. Ça serait sympa. À part trouver de la terre, je trouve pas grand-chose. Nous devions avoir une aventure toute simple, toute facile, et au lieu de ça, c'est tout compliqué, tout chiant. Ah bah j'ai déjà plus de torches au fait. On remonte. Ah, c'est parti mon kiki. Est-ce que j'ai du charbon? Yes. Plein. Au moins, déjà, ça c'est fait. On a déjà un petit peu de charbon. Pouvoir aller mettre un petit peu de charbon là. Comme on est sur une île, je me demande quelle profondeur j'ai et s'il y a autant de ressources que quand on est sur un continent en fait. J'appelle ça des continents, mais pour pas dire terrain. Hop, alors on va chercher du fer. Oh, bah il fait peut-être jour. Non, on voit encore rudement l'île. C'est encore pas jour. C'est rudement long, là. C'est pas marrant. Les jours et les vies. N'importe quoi. Ah. Ne cherchez même pas ce que c'est un peu la honte. Bon, allez. Tais-toi donc, Orphéa, ça fera des vacances. Donc je creuse encore un petit peu, j'aimerais retrouver du fer. Là maintenant que je filme, on peut trouver plein de fer autant que tu veux, encore plus que plus même. Surtout toujours mettre de la lumière parce que dans l'épisode précédent, je suis quand même morte comme une grosse merde. Enfin, ce qui me rassure, c'est que pour l'instant, je suis encore pas tombé sur une grotte. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Ah, je crois qu'il fait jour. Continue encore un petit peu, je repose une torche et on remonte. Là, on voit sur la minimap, c'est rudement clair. Il doit faire jour. Je vais pouvoir aller planter les quelques graines que je vais réussir à trouver, car je vais réussir à trouver des graines. Oui. Je vais m'armer de ma pioche, because je me suis même pas fait une épée. Donc s'il y a un monstre, c'est... Je l'aurai dans... C'est pas vrai! C'est pas vrai, t'as vu, il y a un mouton! Non! Surprise! Yes, petit mouton. Hé, mouton. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai eu du mal à le faire l'autre jour. Trois laines, putain, ça y est, on va pouvoir dormir la nuit, on va pouvoir dormir la nuit, on va pouvoir dormir la nuit. Non, mais sinon, ça va très bien. Orphéa est normal. On va mettre un peu de terre. Oh, j'espère que vous avez entendu. Ça y est, moi j'ai le sang complètement glacé. J'ai tout emmené dans le fond là, c'est pas malin malin. Enfin bon, c'est là, c'est là. J'ai encore ça. Il va falloir vraiment que j'aille rechercher du bois. J'ai creusé pas mal et j'ai pas trouvé de. J'ai pas trouvé de. Comment ça s'appelle? De charbon. Bon sang de bois. Quelle heure qu'il est? Parce que je pense que je me suis levé un peu tard. Non, ça va.
Voilà, j'ai faim. Eh oui, voilà, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Aïe. Sérieusement, ça devait être THE épisode où je devais jamais avoir faim. Mais jamais. Aïe. Faut que je réussisse à attraper des... Ah, je peux pas avoir faim dans Minecraft. C'est quoi les graines qu'il m'a donné? Aïe. Aïe. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme graine? Oh, la menthe, tu parles d'une aubaine? C'est pas grave, je me ferai du tas à la menthe quand même. Ah, mais ça suffit. Arrêtez un petit peu. J'en ai marre. Oui, j'aurais pu me faire une hache. J'aurais été plus rapide. Je ne tuerai pas une pauvre bête. Donc, petit cochon, n'aie pas peur. Comment ça se fait que cet arbre n'est pas tombé? Ah ouais, ok. Et tout ce que j'avais en nourriture, je l'ai perdu bêtement quand je suis mort dans la grotte. Donc, j'avais plein de noix de coco et je n'ai plus rien. Voilà. Là, l'arbre a pas décidé de pousser pour l'instant, donc les arbres fruitiers sont très longs à pousser. On va planter ça. Donc bah, c'est tout, je vais faire de la survie de base sur une île. Au lieu d'aller me promener comme je fais d'habitude sur les maps que j'ai. Moi j'aime beaucoup me promener sur Minecraft. Marcher, faire des kilomètres et des kilomètres. Mais là pour l'instant il me faut du bois. Il n'y a pas moyen de m'éliminer. Comme j'ai 3 laines, je vais me faire un lit. Donc déjà, les nuits vont passer beaucoup plus vite. Et souvent. Aïe. Souvent, quand on survit comme ça, ce qui est le plus long, c'est la journée. Parce qu'on se demande ce qu'on va faire après. Alors ça, c'est un mouton con. Viens. Tu veux pas venir? Hé, bébête là. Allez, amène-toi. Hop. Bon, ben, il se débrouillera au moins comme ça, je saurai où il est. Hop. Allez, je vais me faire tout de suite un lit. 1, 2, 3. Yes, je vais me faire un coffre pour mettre les choses dont je n'ai pas besoin. Voilà. Je vais me faire une hache. Je vais me refaire des bâtons. Hop. Et je vais me faire une épée, car ceci, je n'ai encore pas.
Je vais laisser tout mon matériel dehors. Ça m'évitera d'être enfermée là-dedans. Comme dès qu'il fera nuit, je serai de sortie. Ça n'a pas tellement d'importance. Bah, je vais m'installer. Déjà. Débarrasser de ça, ça sert à rien. Ah ben j'en ai plus, c'est pour ça que ça marche pas. Et comme ça, j'utilise un petit peu mes choses dont je n'ai pas l'utilité. Le mouton est barré. Voilà, donc ça c'est fait. C'est très bien. C'est un petit peu beaucoup déconcertant, cette partie. Tout à fait déconcertante, c'est pas ça du tout qui devait se passer. Je sais qu'on est sur Minecraft, que c'est le monde de l'emmerdement permanent, mais à ce point-là, c'est un petit peu rude quand même. Ah, désolé, la pousse d'arbre, je te ramasse. Je te ramasse. Je ne te ramasse pas. Quelle heure est-il? J'ai un cocotier qui me prend une place monstre. Et toi, le cocotier, t'as pas refait un petit peu de la bouffe? Non, tu fais pas. Non. Puis j'avais des pousses de cocotier que je n'ai point plantées avant de les céder. Donc du coup, je n'ai plus rien. Train de me dire que je vais le couper, le cocotier, parce qu'il refait pas de noix de coco, ça sert à rien. Peut-être qu'il va me faire une pousse. Ben non, rien, il m'a juste donné du bois. Peut-être qu'il va me faire une pousse et que je vais pouvoir faire un champ de cocotiers là-dedans. Il va vraiment me falloir des graines. Oh purée, une graine. Une graine que je vais planter immédiatement. Je me dépêche. Cours pas, malheureux, c'est en train de décéder. Ah, la graine est plantée. Quelle heure il est? On va te coucher parce que... Tiens, l'arbre commence à être plus beau. Toi, tu fais pas de pouce? Non. Coup de dos? Non. Peux pas. Tu vas prendre ton épée sur toi, ce sera plus intelligent. Dodo. Hop. Ah, j'ai bien dormi. Bon, on va aller de l'autre côté. Trouver des feuilles, de l'herbe, pardon. Faut que ça me donne impérativement des graines. Je viens d'en avoir une là. Super. Je vais tout de suite la planter. Hop. Il y en a plein là, j'avais pas pensé. Une troisième graine. Super. Ça va me faire trois blés. Avec trois blés, l'air de rien, tu fais déjà une miche de pain. Je vais pas faire des grosses crottes avec ça, mais bon, ce sera toujours ça de fait. Ah, ça c'est pas ça. Ça c'est une pousse d'arbre que je viens d'avoir. Les pousses d'arbre m'en fout un peu. Je sais pas trop ce que c'était. Tiens, bah je vais recouper du bois. De toute façon, la forêt va être rasée si je reste longtemps ici. Je sais pas trop ce qu'on va faire après. Va falloir que j'aille certainement me balader une fois que j'aurai pu manger. Ah bah il y a un autre mouton ici, c'est génial. Tiens, une graine.
Une autre graine, super. Maintenant, j'ai passé le râteau. Ça, c'est Better Farming qui me donne ça. Mais j'ai l'air d'avoir des graines de pastèque. Alors on retourne là-bas. Je ne m'épuise pas. J'ai oublié de poser mon coffre et de poser tout mon bazar dedans. Oui, je sais. Vous êtes encore des milliers. Non, pas des milliers, mais bon, presque. À vous dire, mais bon sang, mais quelle est bête. Oui, je sais. Je m'en rends bien compte. Parfois, je revois mes vidéos et je dis, mais qu'est-ce que j'ai été niaise quand même, là. J'aurais pu y penser, puis j'y ai pas pensé. Quand... C'est pas grave, il est là. Quand on est dans le feu de l'action, on pense pas forcément à tout. La menthe, et moi je voudrais des graines de pastèque. Ça. Bon, non, l'établi, je peux le poser. Ce serait plus malin. Bah, c'est lui que je vais mettre au pied de mon lit. Voilà. Je vais aller planter les pastèques. Et j'espère qu'elles vont me donner rapidement une pastèque à manger. Pas très très bonne en mode survie et là sérieusement c'était pas ça qui était prévu, je sais, je le répète à chaque fois, mais moi dès que j'ai pas à manger sur Minecraft je suis plus moi-même quoi. Attends toi, je vais aller rechercher de la laine. Bonjour petit mouton, voilà, deux. Oh, t'es pas généreux, pas généreux du tout qu'il est le mouton. Un seul gigot, un demi-cœur, c'est à dire que le moindre truc qui va se produire, je vais mourir. C'est un poulpe, c'est ça m'avait fait une drôle d'impression sur le coup, c'est pour ça. Voilà. Bon, je t'ai pas poussé, tu m'as donné qu'une laine, je t'ai poussé, mais j'ai bien fait alors. L'herbe encore un petit peu. Bon. Bah, je vais faire le tour de l'île, puis on va se retrouver dans le prochain épisode. Allez, à plus tout le monde!